les amis, je vous invite à me suivre sur mon Twitter, aussi également de me suivre sur Facebook, j'ai deux pages, à me suivre sur mon Skype et également à vous abonner. Et maintenant, je vous souhaite une bonne vidéo, les amis. Salut les amis, c'est Captain34, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne principale. Et ce sera le mode carrière épisode 13. Donc voilà, on en est déjà à l'épisode 13. Lors de cet épisode, on va aller voir le calendrier. On fera un match face à Ostend, puis un match, donc le match aller de but semi-finale face à Séville, puis un match face à Gand, donc ça c'est un bon match, et le match retour face à Séville, et peut-être, j'ai bien dit peut-être, un match face à Bruges, on verra bien, parce que faut que je fasse le plus de matchs, parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce FIFA. Il ne reste déjà plus que 15 jours pour tout finir. Donc je pense faire 5 matchs, je pense. On verra bien. Donc en tout cas, si je fais 5 matchs, il n'y aura que les meilleures actions. Donc et je ne vais pas trop tarder. Donc voilà, on va se dépêcher. Donc voilà l'équipe avec laquelle on va jouer ce match. Donc voilà. Non, par contre, je vais prendre l'équipe B. Vu qu'après, j'ai un gros match d'Europa League. Ok, on joue ainsi. Ils vont jouer ainsi, ok. On va seulement mettre l'équipe B. Jouer la tactique. Alors. Donc les gars, on se retrouve avec l'équipe. Donc voilà les gars, l'équipe, ce sera celle-là. Elle est un peu fatiguée. Mais ça, ce sera l'équipe B. Donc en tout cas pour ce match. Je sais, ils sont fatigués, mais bon, c'est un match face à Ostend, c'est pas un match important. Après, on a un gros match, donc voilà. On a un gros match d'Europa League, donc on doit priorité à l'Europa League. Et en plus, on a quand même des joueurs quand même qui sont bons. Donc voilà. Il faut espérer qu'ils soient pas, qu'ils crachent pas leur poumon dès la mi-temps. Donc voilà. Donc les amis, c'est parti pour ce premier match. Salut les amis, on se retrouve pour le match face à Ostend. Donc on va jouer à l'extérieur. Donc on va jouer à Ostend. Donc, Ostend, Standard de Liège. Un match plutôt important vu qu'on est au classement premier, mais qu'on a qu'un seul point d'avance, donc on va le voir. On est premier avec un seul point d'avance sur le deuxième qui est Genk. Il nous reste deux matchs de la première partie de championnat, voilà. Et après ce sera les playoffs, donc voilà. Les amis, les joueurs rentrent sur le terrain et on commence le match. Let's go. Attention! Non! Bordel! Ostend qui vient de marquer. Un fameux élan triangle qui lui permet d'être tout seul. Après un beau petit centre, une tête et un but. Génial. Génial. Bon les gars, allez. Il faut se reprendre. Et meilleur. Oui, meilleur, il est tout seul. Meilleur qui frappe. Et le but. Il n'y a personne qui a su le rattraper. Allez, les gars, prends la balle. Ok, prends pas la balle. Yes, les gars. 1-1. C'est pas fini, les gars. On est obligé de gagner. Il reste deux matchs. Je veux rester premier avant la fin de la première partie du championnat. Allez. Allez, on y va et on va chercher la victoire. On attend Stan. Oh là là là, le but. Oh, le but de Stan. Il est magnifique. Yes les gars. Il est magnifique. Oh mon dieu. Ralenti. Contrôle. Et puis bam. Reprise de volée. Boum! Pleine lucarne! Yes les gars! Allez! Et il faut encore marquer un but pour se rassurer. Oh, il est beau le but. Il est beau, hein. N'hésitez pas à dire vos avis dans les commentaires. Oh là là! Oh oui!
Oui, les gars! Yes! Purée, là, on s'est repris de la meilleure de manière. Hein. On s'est repris de la meilleure de manière. Et ça fait plaisir, ça. Ça fait extrêmement plaisir. Là, c'est l'équipe que je veux voir. Là, belle passe comme ça, hop. Et boum, on attend. Et le gardien qui a des vies, mais qui n'est pas assez sur ses appuis pour la arrêter. Il y a des vies en plein dans le but. Donc ça fait 3-1, les gars. Yes! Ça fait plaisir. Et c'est pas fini, les gars. C'est pas fini. On dit Dieu. Allez, de Camargo, belle passe. C'est une belle passe là pour Mendy à la frappe. Oh là là! Oui, les gars! Oui! Je dis oui! Pleine lucarne! Ça, un gardien de FIFA 15, il l'a. Hein. Alors là, facile, hein, les yeux fermés. Mais bon, on n'est pas sur FIFA 15, les gars. On est sur FIFA 14. Ça fait plaisir, allez, on continue. Attention, il est tout seul. Non, gardien? Oui, gardien! Yes! Oui, c'est bien joué, ça, gardien. Bien joué, Ruben. Bel arrêt. C'est chaud, là. Hein. Ils usent de. Allez. Enfin, ils font beaucoup de nutriments, quoi. En même temps, ils en ont fait un, j'en ai fait, donc. Voilà. On est quitte maintenant. Oh! Oh purée! J'ai eu un réflexe comme ça. Oh! Putain! Ça a dû vous faire peur, à mon avis. Bon, les gars, on est bien. Même si on a très très mal commencé. Donc, à mon avis, je pense savoir pourquoi. Dès qu'on a commencé, je m'étais mis en défensif. Et on s'est pris le but. Et dès qu'on s'est pris le but. Je me suis mis en ultra def, en ultra off. Et on a tout de suite vu la différence. Les joueurs étaient plus hauts. J'avais plus d'appels. Donc, plus d'occasions, quoi. Donc voilà, ça fait plaisir, ça. Allez, oh là là, on a pulvérisé les joueurs de stand là. Alors. Genk est en train de gagner face à Zult. Match très important, ça. Un match nul, miré. Waslam en Anderlecht 0-0. Ça aussi, ça me va. La Gantoise qui est en train de gagner et. Bruges. Non, ils sont pas. Enfin, si, il y a le cercle de Bruges, bon, c'est pas la même chose. Donc voilà, allez, on continue, les gars. On va voir les stats. 11 tirs à 5, 1 tir cadré à 7. Voilà quoi. Ils ont la possession, hein, ça, pour avoir la possession, ils l'ont. Mais bon, on s'en fout. On va gagner ce match. Et. Les gars, je vais pas faire tourner la balle. Hein. Je vais encore essayer d'aller marquer des buts. Hein. Ah là, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Allez, les gars. En plus que là, c'est déjà un 4. On va essayer d'améliorer la différence des buts. Allez. Oh non. Non. Oh non! Mais non, mais j'ai fait pause. J'ai fait pause parce que Cissé est blessé. Donc je l'ai changé. Et regardez! Je viens de me prendre un but, quoi. Donc là, vainqueur rentre pour Cissé parce qu'il était blessé. Et voilà, je me prends un but à cause de ça. Génial. Alors que c'était pas du tout dangereux. Hein. Ouais, c'est pas grave. Voilà, il court vite, il court vite. Non! Mais non! Mais j'ai fait quoi? J'ai même pas appuyé sur carré! J'ai même pas appuyé sur rond! Ok! Désolé de vouloir prendre la balle! Oh là 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 là! C'est exagéré! Bon, certes, je le prends, mais je prends la balle aussi! Yes, les gars! Yes! Qu'est-ce qu'il y a? Merde!
Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Allez, dégage! Putain, mais. Change mon joueur aussi, hein. Ce serait bien, hein. C'est pas là. Yes, les gars! Bon, ils ont marqué un but qui était pas. Enfin, qui devrait pas être là, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, 2-4, j'ai pas pu marquer de but. J'ai eu quelques occasions, mais le gardien était toujours bien placé. Donc voilà, ça fait doublé de Benzia, un but de Stam, un but de Meyer, et pour eux, un but de Mishki, je sais pas trop quoi. Donc voilà, enfin, 2 buts. Donc voilà. Donc, les gars, on a gagné. Maintenant, faut voir ce qu'a fait les autres. Donc là, on voit un 17 tirs à 7, 3 tirs cadrés à 12. C'est le double, quoi. Donc voilà. Donc, allez, Benzia du match, tu m'étonnes. Allez, s'il vous plaît. Genk a gagné. En direct, t'as fait match nul. Yes, les gars. En direct a fait match nul, ça veut dire qu'il perd des points. Et Genk a pris beaucoup de points là. Tout comme moi. Alors. Donc, classement. Oh, on peut pas voir. Ok, pas grave. On va voir le blessé. Donc, yes. Mpoku revient. Ça c'est bon. Après 5 jours. Ok, j'ai bien fait de le faire sortir. Sinon ça aurait peut-être pu être plus. Ok, no problème. On retire ça. Voilà. Là, c'est ça, voilà. J'appuie sur le mauvais bouton. Alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire continuer. Il va y avoir la conférence de presse. Donc. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Ah oui, la conférence de presse. C'est où? C'est là. Allez, j'ai aucun message. Ok, j'ai pas pu la faire, donc ok, bon. Après, bon, bah, on va aller faire le match, hein, les gars. Jouer match. Voilà. Donc, bah, c'est le match. Enfin, on va rencontrer cette équipe dans nos poules. Donc, le hasard a bien fait les choses. Donc, on va les rencontrer cette année, dans l'année 2015, en Europa League. Donc ça va être chaud parce que c'est le vainqueur en titre. Donc voilà. Gestion d'équipe. Gestion d'équipe effectif. Alors parce qu'on. Par contre meilleur, tu sors. De Sar tu rentres. Voilà. Comme ça, bon, ça mérite d'être clair. Saul, tu sors. Bakali, tu rentres. Mpoku, tu rentres. Voilà. Et d'ailleurs, Mpoku, tu rentres à la place de Bia. Donc voilà, donc là, on a vraiment notre équipe type. Donc avec Kawashima, Opare, Umtiti, Simon, Van Damme, De Sar, Vainqueur, Carcella, Mpoku, Ezekiel, Batshuayi. Avec cette équipe-là, on peut gagner un match face à cette équipe. Donc les gars, let's go! Salut les amis. Match très important face à Séville. On va jouer à l'extérieur. Regardez-moi ce magnifique tifo. Enfin, ouais, c'est un peu, bon, ouais, on peut appeler ça un tifo. De la part des supporters de Séville. Donc c'est un match très important. Les 8e de finale de l'Europa League face à Séville. Donc ça va se jouer en match à des retours. Au commentaire, Hervé Matou, Franck Sauzé. Donc comme d'habitude. Donc, les amis, ils ont l'avantage sur le papier. Ça, c'est sûr et certain. Ils ont vraiment un avantage conséquent. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas créer l'exploit et aller gagner ce match? En tout cas, on va espérer que ça sera possible. C'est possible avec l'équipe que j'ai alignée là. Donc, les gars, ligne de l'Europa League est là. Donc, voilà, ici, on voit l'équipe. Donc l'équipe adverse qui va jouer en 4-2-3-1, voilà. Donc magnifique tifo là. Ils auraient même peut-être dû mettre jusqu'au bout. Donc franchement c'est une belle équipe Séville. Avec du Rakitic et tout. Maintenant il est plus là. Mais avant il était là-bas. Avec du NBA aussi qui est là-bas. Donc va falloir faire attention. Va falloir faire très attention. C'est quand même une bonne équipe. Donc on a aussi une bonne équipe. Si on aurait affronté Séville
Là, je parle de la vraie vie. C'est un erreur. On aurait affronté Séville avec notre équipe qu'on avait l'année passée. Il y avait peut-être moyen. Cette année, ça va être très très dur. Même quasiment impossible. Donc voilà. Allez les gars, c'est parti pour le match. Allez, les 8e de finale de l'Europa League. Go! Vas-y, beaucoup! Allez, on frappe en même temps! Oui! Yes! Paul José! Un beaucoup! Yes, les gars! Magnifique frappe! Ça fait plaisir, ça, les gars! Hop, il tient en physique. Et après, on attend. Les frappes en attente, ça, c'est redoutable dans ce jeu. En tout cas, moi, je trouve, en tout cas. Oh là là, yes! Ça fait 0-1, les gars! On est bien! Et le gardien a la vue masquée. Hein. Il a la vue masquée avec mon défenseur. Yes, les gars! Ça fait plaisir. Allez, les gars! Maintenant, on conserve ce score parce que ça va être dur. Ah oui, Ezekiel, t'es lancé! Ezekiel, t'es lancé! Oui, Ezekiel, vas-y! Oh oui! Yes, les gars! Oh oui, Ezekiel, la vitesse! Oh là là, qu'est-ce que tu vas nous manquer? Mais oh là là, la vitesse, quoi, c'est... C'est... Bip, bip! C'est carrément ça, quoi. C'est le coyote et le, je sais plus trop quoi, c'est un nom super bizarre. Donc, yes, les gars! Oui! Yes! 0-2! On est bien là! On est bien! But de Ezekiel! Oui! Oui! Yes, les gars! Ils ont fait les cons! Par contre, je sais pas pourquoi c'est Opara qui était là! Hein. J'ai pas compris! Pourquoi c'est Opara qui se retrouve en pointe! Mais bon, on s'en fout! Je sais pas ce qu'a fait le gardien. Mais ça fait 3-0, les gars. Comment j'aurais pu croire ça? Moi qui espère avoir un match nul. Ça fait plaisir, ça, les gars. Oh là 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 là. Non, pas laisser centrer. Oui, gardien, non. Oui, non. Non. Enfin, 1-3. Je suis un peu déçu là. Là, mon joueur qui fait la truite. Après, l'autre. Il y a une faute. Hein. Il y a le joueur. Là, le joueur il me pousse. Et il me fait tomber mon joueur. Mais bon. C'est 1-3. Faut pas croire que c'est gagné d'avance. Mais on a fait une bonne partie du chemin. Donc il faut pas revenir en arrière. Allez, les gars. Donc les gars, c'est la mi-temps. Alors la Saint-Etienne fait 1-0 face à Utrecht. Celtic fait 0-0 face à Arsenal. Fiorentina gagne 1-0 face à FC Shakhtar. Lazio de Rome gagne 2-1 face à Spartak Moscou. 0-0 entre les Spurs et Manchester City. Valence, Naples 0-0. Wigan 1-0. Bayern. Donc voilà. Comme ça, vous savez les résultats dans les autres matchs. Là, on peut dire c'est du 100%. 3 tirs, 3 tirs cadrés, 3 buts. 3 tirs, 2 tirs cadrés, 1 but. Je sais même pas, ils sont où les autres tirs. J'avais même pas remarqué qu'ils avaient tiré, à part pour leur but. Donc voilà. Donc là, ça fait plaisir. On continue. Et faut faire attention. Faut faire très attention. Allez, les gars. Bien joué, Simon! Tête de Simon! Yes, les gars! On l'a fait! On a été chercher la victoire! Yes! Oh, une victoire importante en plus, hein. Une victoire très importante! Ça fait plaisir! Alors, ici, on voit. Donc, il y a eu quelques matchs nuls et. Il y a eu deux matchs nuls en fait. Deux matchs nuls. Ok. Ok, les gars. Oh, bah, ma gorge, j'ai un peu mal à la gorge. J'ai l'impression que je suis en train de tomber malade. Donc, on a deux messages. On va aller voir ça. Offre le potentiel pour le poste de sélectionneur. Autriche, Slovénie.
Aucune de m'intéresse. Merci boss Samuel Umtiti. Bonjour, je voulais simplement vous dire que j'étais très heureux de faire partie des cadres de l'équipe. Je prends beaucoup de plaisir à jouer ici. Mais de rien. Donc voilà les gars, on va jouer le dernier match du championnat, enfin de la saison régulière, face à la Grantoise qui est 7ème je pense. Donc ils sont 7ème avec 46 points, on a quand même 20 points d'avance. Donc leur seule chance de se qualifier, c'est qu'ils gagnent face à nous et que Malines ou alors Bruges perdent. Donc voilà. Donc je pense pas qu'ils vont se qualifier vu que je vais tout donner pour qu'ils se qualifient pas. Et aussi pour qu'on reste premier. Donc là on a la conférence de presse. On va motiver l'équipe pour ce dernier match de la saison régulière. Donc voilà. On est obligé de gagner si on veut rester premier. Ou alors faut le réinfo pas de game, mais faut pas trop s'attendre à ça. Donc voilà. Donc les gars, c'est parti, on va en faire. Merde, je fais quoi bon. Ok, j'ai lancé ça, ok. Donc, c'est parti, on va faire jouer match. On joue à l'extérieur. On joue à l'extérieur. On joue en rouge, ils vont jouer comme ça. Alors la compo l'équipe. Les joueurs sont fatigués. Voilà, les joueurs sont fatigués. Kawashima Ture, c'est un match très important quand même. Bon voilà les gars. L'équipe ce sera celle-là. Donc on va jouer avec cette équipe. Quand même que, à part le gardien et à part Robinson, quand même en forme. Donc voilà, une équipe correcte. Avec Benzia et De Camargo en attaque. Donc voilà, allez les gars. Faut espérer que Benzia et De Camargo nous plantent des buts. Si pas, on a Schiavi et Martial pour les faire rentrer. Donc voilà. Les amis, match très important pour la dernière journée de la saison régulière. Donc c'est parti les gars. Salut les amis, on se retrouve pour le dernier match de la saison régulière. Donc on va jouer ce match face à la Grantoise, on va jouer au stade de la Grantoise. Donc c'est un match très important parce que vous voyez le classement. Si on perd et gagne, il passe devant nous. Donc on est obligé de gagner, on est vraiment obligé de gagner. Donc on a un point de moins. Donc après ce match là, ce sera les playoffs. On est d'ores et déjà qualifié pour les playoffs. La Grantoise pourrait encore se qualifier pour les playoffs. Pour ça, il faudrait qu'ils nous battent. Et je vais tout faire pour pas. Donc voilà. Donc ça promet un match très intéressant. Donc voilà les amis, c'est parti. Oh Benzia. Oh les lobes du prof de Benzia les gars. Yes les gars. Magnifique. Il est vraiment splendide. Le beau petit lobe du prof. Première action du match pour moi. Hop là. J'avance et hop là. Lobe du prof les gars. Yes. On est bien parti. Oh, ça passe tout pile, hein. Je l'ai fait vraiment tout pile au bon moment. Parce que le défenseur s'était jeté. On va voilà, hop là, c'est vraiment tout pile au bon moment. Et c'est fait, et ça fait plutôt 1-0 les gars, enfin 0-1. Yes. Allez, on continue. Attention, les plus rapides. La joie que... Donc voilà les gars, c'est la mi-temps. Mi-temps sous le score de 0-1 pour moi. But de Benzia sur un lob du prof. Ça fait plaisir les gars, ça fait plaisir. Donc là pour l'instant on maîtrise. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de part et d'autre. Donc ici on va avoir le magnifique lob du prof. Voilà, j'avance. Et après je vais faire un conk. Hop là. Magnifique lob du prof. Génial. Bon voilà, allez. On va voir les résultats. Yes! Yes, les gars! Il y a un gros match! Genk a un gros match! Donc, ils sont en train de faire un match nul face à FC Bruges. FC Bruges qui est quand même une grosse équipe. Donc, voilà, ça c'est bien. Après, en dialecte, il fait 0-1 face à Malines. Ok. Donc, on a tous des gros matchs en fait. Ok, ça va. Pas de problème. Donc, ça fait plaisir.
Donc on va directement aller faire le match. On va voir les stats d'abord. Voilà, c'est, il n'y a pas eu beaucoup de stats. Enfin, beaucoup de tirs. Dangereux, donc voilà. Ben voilà les gars, c'est parti. Attention, non. Gardien. Oh non, non. 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 C'est moi qui la m'écoute mon camp. C'est pas possible. Quel but de gag. La magnifique arrêt, mais il sait pas l'attraper. Et après, je la marque contre mon camp. Fais chier, quoi. C'est pas fini, les gars. Oh là là, j'espère que je vais pouvoir encore marquer, hein. Oh là là, but gag, quoi. Allez, Martial. Vas-y, Martial. Vas-y, Martial. Cels qui dévie. Et le but de Mojangi Pia. Yes. On a eu chaud. Oh là 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 là. Oh mon dieu, on a eu chaud, hein. On a eu très très chaud là. Merci Bia. Merci. Oh là 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 là. En plus, en pleine lucarne et reprise de volée. Ah, certes, il n'y a plus de gardien, mais bon. Une frappe comme ça, faut réussir à la mettre, quoi. Oh là 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 là. Yes, les gars. Yes. Attention, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Il faut faire très attention. Joaquin. Oui, les gars. Vas-y, Benzia. Vas-y, mon petit. Le roulé. Poteau. Yes, les gars, on l'a fait. Oh, mon Dieu. J'ai quand même fait un poteau à la fin du match, hein. Faut se le dire, hein. Oh là 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 là, on a eu très 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 chaud, hein. On a eu très très chaud et merci Bia d'avoir marqué ce but à la 78e. Parce que je pense que Genk a gagné. C'est pas, c'est une impression. C'est une impression. Alors. Ok, ils ont fait une seule frappe à but, ok. Après on a poussé, poussé. On a réussi à marquer, allez. Genk en fait quoi? Genk a fait match nul. Yes. Yes les gars. Et Anderlecht aussi. C'est bon ça. Lokeren pareil. Ça, ça veut dire qu'on a quelques points d'avance. Et ça c'est bien ça. Dotation de compétition. Joueur appelé en sélection, Bakali et Arsène Agic. Ok. Rapport mensuel. Ah, mon premier rapport. Ouh, pas mal. 91 de potentiel. Bon, lui, je le veux. Donc, recruter, voilà. Lui, il dégage. Lui, on va attendre un peu de voir son rapport plus précisément. Et lui, on le dégage. Donc voilà. Donc ça, c'est lui. Faut voir. Je suis pas sûr de le prendre. Donc on fait OK. Donc, on retire le rapport. On fait celui-là. Ok, toi, non. Toi, encore moins. Et toi, non. Voilà. Comme ça, ça mérite d'être clair. Pas mal, lui. Pas mal. On va recruter. Lui, non. Et lui, encore moins. Donc voilà. Dotation de compétition. Suite aux performances. Suite à vos performances, des fonds supplémentaires vous sont octroyés. Compétition des 1 belge, budget transfert supplémentaire 1 million. Merci. Mon temps de jeu, je dois jouer plus souvent, je suis frustré. Bah tu joues. Tu joues tous les deux matchs quoi pour la fatigue. Voilà. Donc, on va aller se jeter un petit coup d'œil au classement. Alors. Hop, il est où? Le voilà.
et là. Voilà les gars. Donc on avait 69 points. Les points sont divisés en deux. On est à 35 points. Donc voilà. Bon. Alors on va commencer par le sixième. Le sixième est à 10 points de nous. Ils sont 25. Ils ont 25 points. FC Bruges, pareil. Donc ils ont 25 points. 10 points à 10 points de nous. Après, Zulterogem est à 8 points de nous avec 27 points. Anderlecht est 3ème avec 7 points de nous. Si je dis pas bêtise. Ouais, c'est 7. Après, Genk est 2ème avec 2 points derrière nous. Donc voilà. Il y a quand même 10 points. Vous voyez, donc là, il y a plus que 10 points entre Mounois et le 6ème. Mais avant, c'était, on va dire, 20 points. On avait 19 points. Donc voilà. C'est ça le fameux système de playoff qui fout l'ADN belge, pour, selon moi, en couille. Parce que à ce moment-là de la saison l'année passée, le Standard avait 8 points d'avance sur Anderlecht, qui était 3ème aussi. Et Anderlecht a fini par être champion. Donc voilà. Donc il y a des limites. Moi je suis pour qu'on reprenne un championnat à 18 clubs et avoir un championnat normal. C'est tout ce qu'on. Bah, je suis pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui veut ça. Donc voilà. Donc c'est la fin de la saison pour Ostende, qui a terminé avec 15 points. Logiquement ils sont relégués, mais il n'y a pas la D2 belge, donc voilà. Puis c'est la fin de la saison aussi pour Wassen Overen, 22 points. Le Lier sera terminé 14ème avec 28 points. Charleroi aura terminé 13ème avec 29 points. OHL aura terminé 12ème avec 29 points. Mons aura fini 11ème avec 30 points. Cercle de Bruges aura fini 10ème avec 33 points. Sporting Lokeren aura fini 9ème avec 39 points. Courtrai aura fini 8ème avec 41 points. Et la Gantoise aura fini 7ème avec 46 points. Logiquement, donc de l'équipe de la 7ème à la 14ème position, il y aura un groupe divisé en deux, logiquement, et ce sera les playoffs 2. Et là, ça redémarre de 0. Donc voilà. Et entre le 15ème et le 16ème, il y aura des playoffs 3. Donc c'est en fait les deux équipes là vont s'affronter. L'équipe qui perd sur les 6 confrontations sera directement reléguée. Et l'équipe qui a gagné lors de ce mini classement aura encore une chance de sauver sa peau. Logiquement, c'est comme ça. Mais bon, là, voilà, c'est comme ça. Donc, les gars, c'est parti. On a un gros. Non, dégage. On a un gros match face à Séville pour se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League. Donc, voilà, conférence de presse. Standard. Motivé. On va motiver l'équipe. C'est un match très important. Très important. On va faire jouer match. Hop, c'est parti. On va jouer à domicile en plus. On va jouer en rouge. Ils vont jouer comme ça. Il est beau le maillot. Donc, gestion d'équipe. J'ai vu qu'il y avait des joueurs fatigués. Alors, qui c'est qui sont fatigués ? Meilleur, c'est normal. De Sartre, tu rentres. Bia, c'est normal. Et Mpoku, tu rentres. Donc voilà. De Camargo, tu restes. Ok. Donc voilà, Kawashima, tu restes. Je suis désolé, t'es fatigué, mais je suis obligé de te laisser. Donc voilà. Les amis, on va jouer avec cette équipe. Donc c'est une des meilleures équipes qu'on peut faire dans avec l'équipe que j'ai là. Donc voilà. C'est parti. Match très important d'Europa League sous la pluie face à Séville à domicile. Let's go. Salut les amis, c'est Captain 34. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un match très important à domicile face à Séville. C'est un match des 8e de finale de l'Europa League. On mène pour l'instant 3 buts à 1. On le voit là, donc on voit aussi les autres résultats que je n'aurai pas le temps de tout dire. Mais
Vous pouvez faire pause pour voir plus précisément les autres résultats. Donc on mène 3 buts à 1. C'est un beau maillot, déjà de 1. Ils ont un beau maillot. Donc les gars, on va se retrouver juste après l'hymne de l'Europa League. Et on se retrouve dès les groupes d'équipe. Donc les amis, c'est parti. Donc le Standard de Liège aura une compo basique 4-4-2 avec Kawashima au paré. Kawashima dans les cages, Batshuayi, Ezekiel en attaque. Donc voilà, c'est une bonne petite équipe. Et Séville va jouer en 4-2-3-1. Avec ils ont Dembaba, je savais même pas, Rakitic, Vitolo, donc voilà, j'ai pas pu voir le reste. Donc voilà les gars, le stade est comble, les supporters sont là, l'arbitre est là aussi, on va le voir passer devant la caméra. Donc les gars, c'est parti pour ce match très important. L'arbitre sera Elmo Wasserschneider. Donc voilà les gars, c'est parti. Non! Oui, Kawa! Oh là là, Kawashima, bien joué! Il me sort des arènes malades! Oh, quel arrêt réflexe! Yes, les gars! Yes! Bon, voilà, les gars, mi-temps. 0-0. Il n'y a pas énormément d'occasion. C'est un match plutôt correct. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas beaucoup d'occasion. C'est plutôt eux qui les ont. Donc on a eu un gros Kawashima, enfin un grand plutôt Kawashima pour l'instant. Donc en espérant qu'il le reste. Donc on va voir les stats. Donc Arsenal est en train de gagner face au Celtic. Bayern Leverkusen en train de gagner 1-0 face à Wigan. Shakhtar fait match nul 1-1 face à la Fiorentina. Utrecht perd 0-1 face à l'AS Tchétchène. Naples gagne 1-0 face à Valence. Spartak Moscou gagne 1-0 face à la Lazio de Rome. Et les Spurs de Tottenham gagnent 1-0 face à Manchester City. Allez, let's go. Donc les stats, voilà, on voit qu'ils me dominent largement à part en possession. J'ai fait aucun tir cadré. J'ai vraiment du mal. Par contre, ils ont fait, je me rappelle, deux tirs vraiment dangereux. Donc je me rappelle vraiment de deux tirs vraiment dangereux. Donc voilà. Ils ont pas fait énormément de tirs dangereux à part ces deux là. Voilà les gars, c'est parti. Faut faire très attention, faut se reprendre. Faut essayer de marquer quoi. Parce que là, ça va pas le faire. Donc les gars, c'est reparti. Allez Kawashima. Oui le défenseur. Oh non, oh non, je refuse. J'ai la balle. J'ai eu la balle là! Oh non! Je le sens mal avec Rakitic! Poteau! Oh là là! Avec Rakitic quand même, au coup franc, faut avoir peur. Hein. Et, faute! Ah, j'allais dire! Oh là là! On a eu très très chaud là, les gars! On a vraiment de la chance dans ce match! Manquerait plus que je marque un but et ce serait le hold-up parfait! Oh non! Allez, Kawa! Oui, défenseur! Enfin, c'est un peu cool, bien joué. Oh oui! Vas-y! Allez! Oh, dommage! Allez, Igor! Vas-y, Igor, t'es le meilleur buteur de la compétition! Oh, Javi! Javi Varas qui fait l'arrêt! Première frappe à je pense. En 74 minutes, c'est quand même beaucoup. Hein. Allez, tu l'as vu. Tu lui remets là-bas. Tu l'as vu aussi, la Bayens. Bayens, ta frappe. Elle est contrée, dommage. Ça continue. Avec Carcela, dommage. Faut récupérer. Attention, attention, contre-attaque.
Attention à la contre-attaque. Il est tout seul. Ramirez est tout seul. Ramirez face à Kawashima. Kawashima encore. Yes. Oh là là, Kawashima, tu nous sors un match de malade mental. Ah non. Ah non. Lol. Je pensais que la balle avait une trajectoire assez bizarre. Donc c'est pour ça qu'il avait arrêté. En fait non. Donc voilà, en tout cas, Kawashima, tu sors quand même un bon match. Oh là là, on a eu chaud là. Qui s'est loupé. Oh oui, la feinte. Ça t'a feinté, mon gars. Et Kawashima. Pas Kawashima. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Le nom du prof. Oh non. Non. Oh purée. Je veux. Mais là. Là on va se dire. Le gardien était tellement monté que. C'était quand même une des bonnes solutions à prendre. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, la prochaine, faut pas la rater. Allez, gardien. Allez, gardien. Non. Non, oui. Ils ont essayé de marquer un but pour S. Ils ont essayé de marquer un but pour S. Ils n'ont même pas mis. Ils n'ont même pas mis, les gars. Ouh. Heureusement qu'ils l'ont pas mis. Tu l'as vu, Ezekiel. Ezekiel, le but à la 90e minute. Là, on va se le dire. Franchement, le hold-up, enfin le hold-up du siècle. Oh mon Dieu, j'ai pratiquement rien eu comme occasion. Ils ont eu que ça comme occasion. Ils ont fait des poteaux. Mon gardien a fait des arrêts incroyables. Et je marque à la 90e minute. Et on se qualifie pour les quarts de finale de l'Europa League, les gars. Ça fait plaisir. Yes. On tente. Oh, oh purée. Oh oui. Les gars, je pensais vraiment pas qu'elle serait dedans, moi. Je me suis dit, allez, on tente et boum. Oh, le but. Oh là là, elle redescend vraiment tout pile. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. En place sur la caméra. Oh là là, de Camargo. Igor de Camargo. Yes. 10e but en Euroleague, les gars. Enfin, en Europa League. Oh là, ça fait plaisir. Je pensais vraiment pas. Déjà, marquer un but, je pensais pas. Mais alors, marquer 2 buts d'affilée. En même temps, là, ils étaient un peu déboussolés. Hein. Yes les gars, on a gagné. Ça fait plaisir. Ouf, on est qualifié pour les quarts de finale, les gars. On a battu Séville. Kawashima. Ouais, franchement, je suis curieux d'aller voir sa stat. Donc on a battu Séville 5-1 sur les deux matchs. Je suis curieux d'aller voir en fait les stats de Kawashima et combien d'arrêts il a fait. Parce que là, c'est l'homme du match. Hein. 11 tirs à 9, 3 tirs cadrés à 7, les gars. C'est quand même chaud, hein. Alors, notre joueur, Kawashima, 9,1. Tu m'étonnes. 9 arrêts, les gars. Il n'en a fait que 5, Javi Varas. En même temps, j'ai pas fait beaucoup de frappes. Kawashima, merci. Je sais pas comment on dit merci en japonais, mais merci quand même. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait vachement plaisir. Alors qu'ici, on voit que... Enfin, je sais pas qui s'est qualifié. On verra bien plus tard. En tout cas, ça fait vachement plaisir, les gars. Ça fait vachement plaisir. On continue. Oh là 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 là. Oh là là. On se retrouve pour les quarts de finale, les gars. Quarts de finale. Dotation de compétition. Marge décalée. On a 470 000 euros en plus.
voilà. Il nous reste un match à faire, les gars. Un match. Il nous reste un match. Offre pour le poste de sélectionneur. Chili. Non, merci. J'aime pas trop le Chili con carne. J'étais obligé. Conférence de pré-presse. Alors, on va motiver l'équipe. On continue. Pour le prochain match, je suis vraiment content de mon football en ce moment. Je joue bien et je m'inquiète de me voir actuellement sur la liste des remplaçants. Je veux débuter le match. Oh, du calme, du calme. Chaque chose à son temps. Donc là, on va voir. Voilà, on va jouer ainsi. Premier match de match aller de la Coupe de Belgique. Là, on va mettre l'équipe B. On va pouvoir faire reposer Kawashima. Ah, il est quand même fatigué. Enfin, il est plus fatigué. Ok. Tant mieux alors. On va faire rentrer. Hop, Kawashima. Donc voilà les gars, on va jouer avec cette équipe là. On va jouer avec cette équipe là. Donc le moral, ça peut corréler à part Behance. Et les notes générales, c'est correct. Donc les gars, c'est parti. Match aussi important à domicile face au club de Bruges. C'est match aller de la Coupe de Belgique. Donc voilà, c'est parti les gars. Salut les gars, c'est Captain 34. On se retrouve pour le dernier match de cet épisode. Ce sera un match face à Bruges. Donc face au FC Bruges. Un match de Coupe de Belgique. Donc on enchaîne avec l'Europa League et directement la Coupe de Belgique. Donc il reste donc le club de Bruges, Anderlecht, Genk et le Standard. On va dire les 4 meilleures équipes actuellement en D1 belge. Je parle dans FIFA et dans la vraie vie. Donc voilà. Donc match très important. Donc il faut espérer gagner ce match. Et les gars, c'est parti. Oh non, j'ai Hake qui est blessé. C'est pas possible ça. J'ai mon Hake qui s'est blessé. Luxation de l'épaule. Génial quoi. On va faire un stress saut, hein. Y a pas beaucoup d'occasions, hein. Moi j'ai eu 3 tirs, hein. C'était 3 tirs de loin. Donc voilà, c'est ben, pas un grand match. Pas un grand match. Je vous avoue, je m'ennuie. C'est pas possible. Mon joueur qui marque contre son camp. Non mais c'est une blague. Mais qu'est-ce qu'il a fait mon joueur là? Putain, non. Mon propre joueur qui marque contre son camp. Le match était, on va dire, très ennuyant. Il n'y a pas eu énormément d'occasion à part les frappes de loin parce que j'arrive pas à pénétrer leur défense. Et voilà quoi. Je prends un but comme ça, génial. C'est très très chaud là. Bon allez les gars, on se réveille. Allez Shkavi, allez Shkavi. Oh dommage. Oh, oh purée. Oh, j'ai failli marquer une reprise de volée. Oh, je suis deg. Putain, si je la mettais celle-là. Si je la mettais. Qu'est-ce que ça aurait été bon. Qu'est-ce qui se passe? What? J'ai pas compris là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu?
C'était quoi ce bug? En plus, il y a un bug à la fin. Génial, quoi, les gars. Bon, on a perdu. On a perdu 0-1. But de deux suiteurs, la grande tige. À la 82e minute. Enfin, c'est pas lui qui marque, hein. C'est mon joueur qui marque au de son camp. Donc voilà. On va passer. C'est un match qui m'a dégoûté. Donc voilà, le hold-up. Juste avant, c'est moi qui avais fait le hold-up. Et maintenant, c'est eux. Donc voilà. Donc, génial. Bon, allez. Ben, c'est un match de notre gang qui est Anderlecht. Donc voilà, nous on perd. On est obligé de marquer un but là-bas. Donc voilà, ça c'est génial. Donc les gars, oh, c'est face à Valence. Eh mais ils veulent que je rencontre toutes les équipes de BBVA. C'est ça en fait qu'ils veulent. Je vais blesser Wiseman. Ok, blesser Wiseman. Donc la saison est finie. 2 mois, donc sa saison finie. Le dernier match, j'apprécie vraiment votre capacité d'écoute et le fait que vous m'ayez fait jouer pendant que je suis en forme. Mais de rien. On va avancer jusqu'au match face à Valence. Rapport mensuel des joueurs. Hey, c'est un bon joueur lui. Hein. Lui aussi. Donc on va attendre un peu. Les journalistes se sont rassemblés, ok. Alors, on va louer l'équipe. On loue l'équipe. Voilà, comme ça c'est bien. Bon, voilà les gars. On est enfin prêt pour le match face à Valence. Donc là, ça va faire un peu beaucoup. Donc, on va aller se faire le rapport d'équipe. Donc, rapport d'équipe, voilà. Donc Kawashima qui prend un plus 3, qui a 77 de général. Opare qui prend 1 plus 1. Van Damme qui prend 1 moins 1. Ok, c'est pas normal, mais bon. Meilleur qui prend 1 plus 1. Vainqueur qui prend 1 plus 2. Carcella qui prend 1 plus 3. Plus 1 pour Ezekiel. Plus 2 pour Batshuayi. Plus 2 pour Martial. Plus 3 pour Ruben Blanco, le gardien. Plus 2 pour Bulot. Plus 1 pour Bayens, plus 3 pour Schiavi, plus 1 pour Bakali, plus 2 pour Cissé, plus 3 pour Benzia, plus 3 pour Hassan Lagic, plus 1 pour Robinson, plus 1 pour Mpoku, plus 1 pour Hajdarevic, plus 2 pour Biton, plus 3 pour Koch, plus 1 pour Verbeek, plus 3 pour Mendez, plus 4 pour Makusu, plus 2 pour Milosevic, plus 2 pour Marquet, plus 2 pour Fioré, plus 1 pour Mbombo, moins 2 pour Tel Benaïm. Donc voilà les gars, donc là on a fait le rapport d'équipe, donc on va aller se jeter un petit coup d'œil pour les meilleurs buteurs. Donc voilà, stade joueur, ça ici voilà. Donc en Europa League, le meilleur buteur chez nous, enfin le meilleur buteur de l'Europa League, c'est De Camargo avec 10 buts, suivi de Gomez, Molo et Yakovlev avec 8 buts. Donc voilà. Après, il y a le standardman Ezekiel qui a marqué 6 buts également. Donc voilà. Pour les meilleurs passes D, c'est De Camargo également, 4 passes D. Puis c'est Ezekiel aussi avec 4 passes D, ok. C'est pas un problème. Après, donc le meilleur buteur, s'il te plaît, change. Voilà. Le dernier belge est Batshuayi avec 16 buts. Puis c'est Lestienne à 14, puis c'est Lei avec 13. Benzia est 5ème avec 12 buts. Donc voilà. Après, meilleur passe D, c'est Lestienne avec 8. Carcella et De Camargo qui se suivent. Donc 2 pour Carcella qui a fait 7 passes D. 3 de Camargo qui a fait 6. Batshuayi est juste derrière avec 6. Passe décisive également 6ème. Mpoku 9ème avec 5 passes D. Donc voilà. Après en Coupe de Belgique, le meilleur buteur est Vossen. Puis c'est Poirier. Et puis c'est Batshuayi. Donc Vossen qui a 4 buts. Poirier et Batshuayi 3. Mundjangebia qui en a 2. Les passes décisives, c'est Mpoku qui est premier. Ok. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. La Ligue des Champions. Rooney meilleur buteur. Avec 8 buts.
suivi de Ronaldo, de Neymar également avec 7 buts, plus Ribéry, Hazard et Eto'o. Et Balotelli plutôt. Donc voilà, et le meilleur passe-dé, c'est Mandzukic avec 5 passes-dé, plus Schweinsteiger. Je pense que ça va faire plaisir à certains que je dise ce joueur. Dresseur de cochon, donc voilà. Les gars, donc là c'est fini, on va aller voir qu'est-ce qu'on va faire lors du prochain épisode, donc l'épisode 14. Donc voilà, ici on voit le tableau, enfin le calendrier avec les matchs. Il nous reste un mois et demi de trucs. Donc le prochain match, on ira faire un match face à Valence, puis également un match face à Bruges, le match retour, puis un match face à Valence encore une fois, puis un match face à Zultvorgama à domicile, et on terminera face à Malines, donc voilà, à l'extérieur. Donc il nous reste, en tout cas, logiquement, il nous reste donc, un épisode de, grand maximum, 4 voire 5 épisodes, donc voilà. Donc les gars, moi pour ma part, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on va se remettre sous le classement. Donc voilà. On va aussi voir, on l'a pas fini. Donc l'Euroleague. Donc Manchester City face à la Fiorentina. Standard Liège face à Valence. L'AS Saint-Etienne face au Spartak Moscou. Arsenal face au Bayern Leverkusen. Donc voilà, ça c'est pour l'Euroleague. Pour la DA belge. Non, on va d'abord faire la coupe. Donc, pour l'instant, c'est 4-2 pour Genk, bizarrement. Et c'est 0-1 pour le club de Bruges. Donc voilà. Après, la Coupe de Belgique. Enfin, non, la dernière belge plutôt. Je vais y arriver. Donc, le Standard de Liège est premier avec 35 points. Genk est deuxième avec 33 points. Anderlecht est troisième avec 28 points. Suivi de Zultvorgame avec 27 points. Puis les deux derniers, FC Bruges et FC Malines avec 25 points. Donc voilà les gars, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il y aura certainement que les meilleurs buts et quelques petites actions. Parce que là, ça fait plus de 2h30 à décortiquer. Donc voilà. Donc les gars, j'espère pour ma part que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, pétez-moi cette barre de like. N'hésitez pas aussi à aller voir dans la description pour voter pour ma carrière FIFA 15. Donc voilà. Il y a pour l'instant en tête. Je vais regarder ça tout de suite. Donc pour l'instant c'est Arsenal qui est en tête avec 58 votes. Puis c'est l'OM avec 47 votes. Et puis c'est Liverpool avec 42 votes. Donc Arsenal, il y a déjà un de mes potes le Joker qui fait cette carrière. Donc pourquoi pas Liverpool. Donc votez un max pour Liverpool. Donc voilà. Les gars, c'était Captain34. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye bye. I've got a question, if you'd hear me out, in your defense you never had a chance, and so tell me straight.